Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui je suis au Festival de Cannes 2016 avec Thomas Provost sur le stand de Repos Productions. Le festival n'est même pas ouvert, on a déjà des rendez-vous et Thomas a l'air d'aller très bien. Est-ce que ça va Thomas ? Ça va très très bien, oui. Là je suis encore en super forme donc il n'y a pas de souci. Je dirai un peu moins dans deux jours je pense. Est-ce que tu penses que cette édition va être une belle édition ? Ah, je pense qu'il y a déjà de plus en plus de participants, les stands sont en train de grandir chaque année, il y a de plus en plus de sorties pour les salons, ce qui est un gros changement au fil des années, et on a une très belle sélection, on en parlait avec un prix, etc. Donc, Écoute, cette sélection, elle a des nouveautés, est-ce que tu peux nous en parler de cette sélection qui maintenant a des catégories du coup ? Ben oui, c'est un combat qu'on a longtemps mené, enfin, en tout cas il y a une chose qui nous fait très très plaisir, c'est que maintenant, cette année le festival a choisi de faire une sélection de 3 jeux, un pour la famille, un pour l'As d'or et donc le jeu de l'année, et un pour les experts. Et de mon point de vue, évidemment, ça ne regarde que moi et Repos Productions, ben ça nous semble beaucoup plus clair pour les acheteurs, pour les boutiques, pour les distributeurs en termes de communication. Ces 3 catégories, certes fermées parce que c'est des catégories, ben sont plus simples, elles permettront de mieux communiquer. Puis, avant, pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une sélection de 10-12 jeux. Mais il y avait des jeux très simples qui côtoyaient des jeux très compliqués. Et la couverture, pour nous, n'est pas toujours le seul indicateur. Là, c'est clair. Vous avez cherché un jeu pour enfants, voilà ce que le jury pense qui est le meilleur. Vous cherchez un jeu pour toute la famille, adulte-enfant, voilà. Et vous avez déjà fait quelques jeux, vous êtes passionné de jeux. La catégorie expert est faite pour vous. Donc je pense que c'est plus simple. Et donc je suis très content de ça, oui. On espère que Seven Wonders Duel sera... primé, je ne sais pas si ce sera le cas puisqu'on tourne la vidéo à peu près 1h30 avant la remise des prix. Et aujourd'hui, donc, vous êtes ici sur Cannes avec votre nouveauté que vous avez signée il y a très très longtemps et qui a changé de nom et d'identité plein de fois, qui est Docteur Panic. Et du coup, vous l'avez signée, il me semble, en mars 2010. C'est très possible, il faudrait que j'aille faire de l'archivage pour bon savoir, mais c'est un jeu qui est resté très très longtemps dans nos cartons. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a eu énormément d'autres jeux avant, mais c'est un jeu très 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 particulier. C'est un party game familial, mais qui casse un peu tous les codes vus jusqu'alors. Déjà, c'est un jeu qui joue en 12 minutes en temps réel. On est des médecins dans un hôpital et on va devoir sauver le patient. C'était le pitch que Cédric avait discuté avec Roberto. Il a déjà fallu du temps pour que Roberto arrive avec un proto qui nous plaisait suffisamment. Et à partir de ce moment-là, on a lancé un long travail de développement pour avoir le produit qu'on présente aujourd'hui à Cannes, dont on est très fier, évidemment, puisqu'il est vraiment complètement différent de ce qu'on peut trouver sur le marché. Il a une identité très très forte et c'est le premier jeu de médecine, jeu de société de médecine, en tout cas aussi foufou, ou qui va plonger les gens dans un vrai hôpital. Donc c'est assez chouette. Et pour la petite info quand même, ça c'est un cours Saint-Péter, hein, c'est le cœur du patient. Et en fait, l'idée, c'est quand Roberto nous a montré l'évolution X du proto, il nous a dit, ben voilà, c'est très simple, quand on fait un massage cardiaque, il faut faire un massage avec le coussin Saint-Péter. On s'est dit, ça c'est parfait, il faut éditer un jeu avec un coussin Saint-Péter dans une boîte, il faut le faire une fois dans notre vie. Et donc là, tout a commencé à se dérouler, etc. Et d'où les nombreuses années de développement. Du coup, c'est un jeu un petit peu particulier aussi parce que c'est un jeu hybride, donc en temps réel. Sur la version qu'on a vue l'an dernier, il y avait une machine qui servait de timer, de sablier avec des bips, avec aussi un accéléromètre pour les vibrations de la table. Et aujourd'hui, tu m'as parlé d'une application et d'un site web qui permettrait éventuellement d'avoir ce sablier dynamique. Et comment ça marche aujourd'hui ? Alors dans la boîte, en fait, donc l'idée c'est que quand on fait une partie, il y a une bande son qui est lancée, qui dure 12 minutes. Il y a plusieurs bandes son sur notre site web. Et au fur et à mesure du développement, on s'est dit que ce serait vachement chouette qu'une application fasse les aléatoires. Je pense qu'il faut avoir une mémoire de fou pour se souvenir exactement de ce qui se passe sur 12 minutes, etc. Et donc dans le cours du développement, on a développé une application qui refait la bande son, qui tire des cartes, etc. Qui est encore une meilleure façon de jouer au jeu. Je ne peux pas la montrer maintenant parce qu'elle est toujours en approuve chez Apple, mais elle va sortir dans les jours à venir. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut déjà télécharger, je peux le montrer ici, la bande-son. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a lancé la bande-son, la partie commence. La bande-son simule plusieurs choses. D'abord, le rythme cardiaque du patient. Bon, là, ça tout va bien, on est le début, on est dans les premières minutes, puisqu'on vient d'avoir ce cher Antoine Wonders qui vient d'arriver à l'hôpital. Et tous ensemble, on va devoir le sauver. Pour le sauver, il faut qu'on fasse tous des actes médicaux très simples, qui sont des pastiches d'actes réellement médicaux. Et dans la bande-son,
il peut y avoir deux événements particuliers. Le premier, il y a un coup de fil des patrons. Il y a des nouveaux patrons dans l'hôpital. Dans l'hôpital, on les voit là d'ailleurs. Hein. Et ils téléphonent. Et quand ils téléphonent, on doit tous arrêter de faire ce qu'on fait, tirer une carte et la lire. Par exemple, ici, il y a une panne d'air conditionné. Chacun des joueurs doit éponger le front des autres. Donc, on doit tous arrêter de faire notre massage, etc. On s'éponge le front. Dès que l'arrêt est fini, on continue. S'il y a un arrêt cardiaque, là, tout le monde arrête de nouveau. On est en train de perdre de patients. Donc là, il faut faire un massage cardiaque. Comment on fait un massage cardiaque ? Eh ben, on fait un massage cardiaque. Hein. C'est assez simple. Pendant que les autres chargent le défibrillateur. Le défibrillateur, il a un numéro sur ces cartes-ci. Il faut simplement trouver sur la table les bons chiffres, les indiquer, et là, il faut faire le choc. Tout le monde se recule, on tape sur la table. Si le cœur reprend, il n'y a pas de souci, on continue l'opération. Si le cœur ne reprend pas, il faut refaire un massage cardiaque, etc., etc. Je vais couper le son parce que sinon, je pense que les gens vont devenir fous. Donc voilà, ça, c'est l'idée générale du jeu. Et la bande-son, en fait, là, on a entendu que le... J'ai mis en mode facile, que le bip pour l'instant, mais ce bip va s'accélérer au fur et à mesure de la partie et va être coupé d'appels sonores, de massages cardiaques qui vont être aléatoires avec l'application, scriptés avec la bande-son, mais il y a plusieurs bandes-son par niveau, etc. Donc les gens n'auront pas l'impression, auront l'impression que c'est aléatoire. Donc, il me semble, puisque j'ai joué au proto l'an dernier, il me semble que chaque binôme doit accomplir tous les actes médicaux de la panoplie pour sauver le patient, c'est ça ? Exactement, c'est un jeu qui se joue de 2 à 9. L'idée, c'est quoi qu'il arrive, on fait des équipes, 2 ou des équipes de 3. Dans chaque équipe, il y a un responsable qui a devant lui un paquet de cartes. J'allais dire à son tour, mais c'est la vieille habitude. Mais en gros, je suis le responsable, je tire la carte, celle-ci est une carte de suture, et je dois te dire à toi, qui est dans mon équipe, comment tu dois suturer. Première chose, faut que tu trouves le matériel. Bon, s'il y a une équipe, ça va, il n'y a pas trop de problème pour échanger le matériel. Mais s'il y a 3 équipes qui jouent en même temps et qu'il y en a qui font une suture, on va passer à autre chose. Une fois que tu as le bon matériel, je vais te donner, c'est un jeu de communication essentiellement, je vais te donner les instructions. Donc tu vas prendre l'aiguille, tu vas rentrer par le gris, puis sortir, etc., etc. Évidemment, on ne suture pas ça comme ça dans un vrai hôpital. Ici, on est presque dans un vrai hôpital, donc il faut le faire avec les pinces. Si on est 2 à jouer, je tiens le plateau et tu fais tout avec tes 2 mains, là c'est un peu compliqué, tu tiens un micro. Si dans l'équipe on est 3, je tiens le plateau et vous 2 vous suturez avec les pinces, etc. Tout le principe du jeu, c'est chaque fois des petites épreuves revisitées, complètement débiles et drôles, qu'il faut faire dans le plus rapidement, sachant qu'il faut quand même se coordonner, parce que si on est 6 à jouer autour de la table, on a besoin des éléments, une fois on a besoin des trucs pour les prises de sang, mais 6 sont à l'autre bout, etc. Donc les joueurs, s'ils veulent bien jouer, doivent être organisés et pas créés dans tous les sens. Il fait qu'avec la bande-son, avec les événements, avec les massages cardiaques, c'est souvent plutôt beaucoup de chaos, beaucoup d'ambiance, etc. Donc voilà, il y a 9 épreuves différentes dans le jeu qui vont de la suture aux seringues. Elles piquent pas, ça va, il n'y a pas de danger. Au passage des instruments, au scannage, à la radiographie, etc., etc. Comme je l'expliquais, c'est toutes des épreuves de communication et un des longs travaux qu'on a fait, c'est qu'au démarrage, il fallait lire, souvent, il y avait des épreuves qui n'étaient pas adaptées aux enfants. Or, on l'a vu dans nos nombreux tests que ça faisait plaire absolument les familles. Il y a des gamers qui vont jouer entre eux, et c'est aussi pour les gamers. Mais ils ne feront pas 250 parties non plus. Ça reste un jeu hyper fun, c'est une expérience très, 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 très drôle. Les familles, elles y joueront, enfin, c'est vraiment un produit très familial. Et donc, il fallait éviter tout ce qui était lecture compliquée. Donc, il y a de la lecture sur les cartes événements, mais il peut y avoir un adulte qui la lit, c'est pas gênant. Etc. Donc on a travaillé toutes ces épreuves au fur et à mesure des années pour que tout soit simple, évident et que les enfants, je joue avec ma fille de 5 ans, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord, ben écoute, ça sort quand ? Ça sort aujourd'hui, enfin demain, puisque le festival ouvre réellement ses portes le vendredi. Ça sera dans toutes les bonnes crèmeries à partir de demain. Voilà, les gens qui ont les super bonnes crèmeries pourront peut-être aussi donner à leurs clients 5 cartes de goodies spéciaux. Donc il y a Antoine Wonders qui n'est pas dans la boîte, mais il y a Frankenstein, etc., qui peuvent se trouver en tout cas sur des réseaux parallèles si vous avez une bonne boutique, etc. D'accord, bah écoute, on espère jouer à ça bientôt. Enfin, rejouer pour ma part, puisque j'ai déjà joué l'an dernier avec la version proto. Il y a aussi quelque chose que Repos a dans les tuyaux depuis assez longtemps, c'est l'appli Seven Wonders. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc on a du retard, on en est complètement désolé, c'est une certitude. Maintenant, le développeur qui faisait ça ne travaille plus chez nous, il était indépendant. On a repris l'appli et elle est maintenant dans les mains d'un codeur qui va la finaliser. Donc voilà, je préfère plus donner de date, mais les premiers tests qui ont été faits en fait ont été très bons et tous les gens ont été très contents. Et maintenant, le problème, c'est qu'iOS va plus vite que notre capacité de développement. Et donc, en fait, en gros, il y a encore du code d'iOS 6 dedans.
Et donc, il faut juste nettoyer ce code, mais il se fait que nous, on n'a plus d'informaticien en interne. Donc voilà, on a dû chercher un développeur externe, c'est trouvé. Donc je ne dis pas de date, mais je pense que c'est qu'une question de mois. Voilà, c'est plus des années en tout cas. Et voilà, et parallèlement à ça, on est en train de vraiment réfléchir à notre, entre autres avec Asmodée, à notre portefeuille de jeu et voir quelles sont les applications qu'on pourrait adapter. Donc il est possible que dans les années à venir ou les mois à venir, il y ait d'autres jeux qui sortent sur iPhone, iPad, etc., etc. Et même d'autres supports. Mais c'est encore un peu tôt pour le dire. On se revoit à Essen pour en parler. Donc voilà. Donc on nous dit Ghost Stories, on hurle Ghost Stories dans l'assistance. Est-ce que vous pensez faire plus de jeux avec des applis embarquées comme Dr Panic ou les jeux qu'on a vus en 2015 chez d'autres, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux avec des applis, Alchimiste, XCOM, etc., qui étaient vraiment très intégrés au jeu. On n'a pas de projet en tout cas qui demande une appli. Ici sur Dr Panic, l'appli n'était pas intégrée à la base, on l'a intégrée en plus. Il ne faut pas spécialement jouer avec l'appli, il faut simplement quelque chose qui sait lire du MP3. Donc on verra, il faut savoir que tous les jeux avec appli n'ont pas tous été des succès. Ça a parfois été compliqué parce que il y a une dimension, un espace qui se crée entre l'appli, il faut regarder le téléphone, il faut regarder... Donc pour l'instant, il y a eu des chouettes expériences, etc. Mais ça reste très embryonnaire et très particulier. Donc on verra, en tout cas ce n'est pas une volonté de reproduction de chercher des jeux qui ont besoin d'une appli pour faire un jeu avec une appli. Ici, on s'est dit sur Dr Panic, ça serait encore mieux que quand le téléphone sonne, le téléphone sonne, on le prend et on doit lire ce qui se passe, etc. Que le son fasse repartir le cœur, etc. L'appli a été ajoutée, le jeu n'a pas été construit autour de l'appli. Donc, il n'y a pas de jeu comme ça dans les cartons. On verra bien, rien ne nous fait peur. Donc, s'il y a un auteur qui a un jeu incroyable et qu'il faut jouer avec 5 iPhones, mais que c'est le meilleur jeu du monde, on le fera. Pas tout de suite, mais on le fera. D'accord, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as de nouveau? Il me semble que vous avez une extension de Cash and Guns qui sort bientôt, une extension à moitié coop, il me semble. Pas carrément à moitié, totalement coop, donc elle s'appelle Team Spirit. Je pourrais peut-être même montrer 2-3 images après, parce que là, si je trouve mon téléphone, ça va foirer. Mais donc l'idée, c'est que c'est la deuxième extension de Cash. La meilleure solution pour faire de la thune, c'est d'y aller en équipe. Donc voilà, dans la boîte, il y a le module équipe qui introduit des nouvelles tuiles de partage, une façon de calculer l'argent, etc. Et en plus de ça, il y a les mercenaires. On conseille aux gens d'abord de jouer en équipe. Le principe est très simple. À la fin, les équipiers en vie vont faire la somme de leur argent. Jusque-là, c'est assez simple. Ils peuvent discuter entre eux au démarrage, etc. Ils permettent d'échanger, puisque ceux qui connaissent bien Cash and Guns, les diamants ont de l'importance, puisque celui qui a le plus de diamants, mais c'est individuel, c'est vraiment le joueur. Donc il y a une tuile qui permet d'échanger les diamants, des cartes entre nous. Les tuiles de soins permettent de soigner des coéquipiers, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour le côté aspect équipe. Et le côté mercenaire, c'est une nouvelle tuile. À chaque tour, un des joueurs pourra mettre de l'argent dans l'enveloppe. Et à la fin du jeu, cette enveloppe va permettre à chaque équipe de recruter un mercenaire. Il y a 12 mercenaires dans la boîte. Qui sont par exemple, je ne connais plus le nom, mais ça va me revenir, un mec qui permet de donner une dernière petite balle à un adversaire. Donc imaginons, on fait une bonne équipe à deux, l'équipe en face, ils ont plus de thunes, mais un de leurs mecs est à deux blessures. On va recruter deux Hitman, voilà, qui va faire une dernière petite bastos juste avant la fin. Donc celui-là peut être très méchant. On a Elvis qui est en prêtre, et donc qui permet de marier deux joueurs. Et si deux joueurs se marient, tout leur appartient. Et donc, on peut compter les tableaux ensemble, on peut compter les diamants ensemble, etc. etc. Et donc, c'est comme à chaque partie, on prend que 4 personnages parmi 12. Ça va vraiment amener des choix, il va falloir faire attention, aller chercher de l'argent, essayer de recruter ces mercenaires, choisir le bon, etc. Donc voilà, très simple. Évidemment, j'ai oublié de dire qu'il y a 4 nouveaux flingues. Il y a le big gun, on va dire. En gros, c'est un flingue, quand tu le braques, toi, tu ne peux pas me braquer. Tu peux braquer n'importe qui, mais si à un moment donné, tu me braques, tu es obligé de changer. On a deux flingues un peu particuliers qui ne font pas que des blessures. On a le taser. Le taser, au lieu de te braquer, si je te braque, ça c'est normal, c'est un jeu de flingue. Si je te fais une blessure, je peux aussi dire, je vais te taser en fait, tout simplement. Je ne vais pas te faire mal, tu te couches. Par contre, je vais te prendre deux parts de ton butin, je vais les remettre au centre. Parce que tu as été tasé, donc tu as lâché un peu de butin, c'est con. Et alors, il y a le flingue à grappin. C'est la même chose. Si je considère que je ne vais pas te faire une blessure, on est quand même entre amis. Je te tire dessus et je vais prendre ton butin et je vais regarder, je vais en prendre une de tes cartes. Voilà, tu vois, voilà, ça c'est bien.
Et le dernier flingue, c'est le silencieux. Donc ça, c'est pas vraiment un flingue, c'est un ustensile de flingue. Et donc, il y aura un système de deux parties en mousse qui s'éclipseront sur le flingue. Et un flingue silencieux, c'est très simple pour ceux qui connaissent. Quand ça fait clic, ça fait pas de bruit et donc ça tire. Et donc, avec le flingue silencieux, bang, ça fait rien, mais clic, ça fait quelque chose. Donc, on tire 5 fois sur 8. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça fait rêver les gens. Donc voilà, ça sortira à 23 euros. Ça sera à la Gen Con, c'est notre sortie Gen Con. Je pense que les fans de Cash & Guns vont adorer. Le fait d'être en équipe, bah, ça change le jeu. Il y a plus d'ambiance encore. Et les 4 flingues envoient du bois, etc. Donc, ah ben voilà, regardez. J'ai mon assistant qui est trop fort. Donc ça, c'est pas la boîte finale, évidemment. On voit que c'est effectivement un proto. Et d'ailleurs, j'ai une question essentielle. Est-ce que, donc tu as dit qu'il y aurait quelqu'un qui marierait les gens. Est-ce qu'il y a un avocat véreux pour faire des divorces dégueulasses? Il n'y a pas de divorce, ça sera peut-être la troisième extension, on peut y réfléchir. Mais ben voilà, ça c'est la taille des mercenaires. Donc non, il n'y aura pas d'avocat véreux, mais il y a déjà pas mal de personnages. On s'est trituré les méninges avec Ludo et Théo, entre autres, pour vraiment trouver les personnages les plus drôles et les effets les plus crétins et drôles. Donc voilà, il y en a aussi qui font jouer que sur l'extension. Et ici, mais je ne sais pas si on le voit, mais c'est les crayonnés de Kovalik. Ben voilà, ça c'est le Miss Pencil Hand. En gros, c'est un tableau de plus. Donc ça, c'est vachement bien. On a le Fake Elvis qui permet de marier les joueurs, hein, comme j'ai expliqué. On a Zombie Boy. Zombie Boy, il se relève. Donc si on a été mort, normalement, on ne compte pas ton argent, mais là, on peut te relever. On a Dr. Gray qui... je suis en train de mélanger les personnages. Ah non, ça, le Mister Zombie, tu voles les parts de butin d'amour, c'est pas la même chose. Elle peut guérir un joueur. Clemens End, ça, c'est uniquement avec le parrain. Donc pour ceux qui connaissent la première extension, il y a le bras droit du parrain. Et lui, en fait, chaque fois qu'on doit donner une part au bras droit du parrain, on la met sous ce personnage-là. Et celui qui le recrute prend tout ce qu'il y a comme tu en dessous, plus tout ce qui reste dans le coffre, etc. etc. Il y en a, bah, y en a 12. Donc comme on en tire 4, les gens ont quand même un sacré nombre de parties avant d'avoir tout joué. Bon, bah, là, ça c'est le... C'est toujours en proto, mais ça c'est le silencieux. Le taser en carton parce que c'est pas de la mousse, le flingue de duel et le flingue de grappin. Voilà, tout simplement. Ça sera dans le même format. Ça sera juste un peu plus cher parce qu'il y a en plus tous les nouveaux personnages, etc. Mais ça sera à 23 euros au lieu de 20. Donc, chez Repos, vous avez aussi recruté une personnalité du monde ludique qui monte, Théo Rivière, qui était auparavant chef de projet chez Yellow, qui a signé quelques jeux aussi, Shinobi Wata, le prochain Sea of Cloud chez Yellow. Du coup, vous l'avez recruté, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait chez vous? Est-ce qu'il est chef de projet? Est-ce qu'il développe des projets? Dites-nous ce qu'il fait chez vous. Alors, on a fait deux recrutements dernièrement. Bah, donc, premier, c'est Théo, qui est assistant éditorial. Donc, vraiment, on avait besoin de quelqu'un qui expérimentait en jeu de société et créatif aussi, puisque Théo est clairement auteur de jeu. Pour nous aider dans les tâches, pour voir les auteurs, parce que nous, on a quand même moins de temps à consacrer, on a énormément de choses à gérer autres dans la boîte. Donc, il est là vraiment pour nous aider. Il n'est pas chef de projet, mais il est en charge de tout le pôle édition, de mettre à jour les projets, en effet, de recruter, de chercher des choses, d'apporter des idées, de développer avec nous, etc. Donc, c'est vraiment une responsabilité importante chez nous. On est très, très contents. Il est là depuis 2 mois et ça se passe très, très, très bien. Et alors, et d'ailleurs, il me regarde maintenant, on a recruté un jeune homme qui s'appelle Nicolas Bozeret, qui lui est notre head of office, ça fait un peu armée goblin, mais l'idée c'est que Cédric et moi, donc les deux fondateurs de la boîte, on est plutôt des créatifs, on n'est pas toujours très organisés, je ne l'ai pas dit ça, mais enfin bon soit. Et donc il nous fallait quelqu'un un peu de moins créatif, ou en tout cas de quelqu'un qui sait s'organiser, qui sait nous organiser nous, et suivre l'équipe. Et donc il est vraiment là à temps plein, et son métier c'est de résoudre tous les problèmes et toutes les difficultés que l'équipe a. Ça peut être, il manque des palettes, elles ne sont pas arrivées. Ça peut être, il manque un proto, je vais être super fort, je vais le trouver, etc. C'est gérer tous les projets, c'est nous donner des idées, c'est créer vraiment énormément d'amener de la structure parce que la boîte en avait besoin, parce qu'on grandit. Et à un moment donné, si on ne veut pas s'y perdre et perdre du temps bêtement, il fallait vraiment un professionnel, un manager professionnel, quoi. Nous, on n'est pas des managers professionnels, on est des saltimbanques professionnels à la rigueur. Et donc voilà, donc c'était un gros mouvement pour Cédric et moi, en tout cas. Et parce que voilà, maintenant la boîte fait 13 personnes. Donc voilà, donc oui, on est
très content de ça et c'est un vrai changement. C'est plus une petite PME, maintenant il y a une vraie structure avec des réunions tous les jours, des flash meetings, des programmes de gestion, etc. Il ne faut pas avoir peur, on reste les mêmes foufous, mais on en avait vraiment besoin pour, parce qu'il y avait des retards sur des projets et puis, puis ça crée des tensions inutiles dans une boîte et ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que les gens soient contents de travailler avec nous et qu'on aille de l'avant et que les jeux sortent quand on veut qu'ils sortent. Donc en fait, il vous met la pression, il vous donne des deadlines, quoi. Ben en fait, oui. Dit comme ça, ouais, c'est moins drôle, mais c'est très très bien. Non, non, il fallait qu'on puisse être... Il y a tellement de choses à faire, on est le roi de la digression, donc il fallait parfois seulement nous structurer, nous prendre le temps. Et c'était bien d'avoir quelqu'un aussi de plus âgé, parce que nous, on a beaucoup de collaborateurs qui sont très jeunes. D'avoir quelqu'un qui dit, les gars, là, on se calme, on va trouver telle solution, on arrête de réfléchir, on perd du temps là-dessus, on en reparle demain, etc. Enfin, tout simplement, ça paraît évident. Et ça nous manquait. Et donc voilà, on est très très content de ça. Ok, je pense qu'on a fait une interview assez longue. Est-ce que tu as des choses à rajouter du coup ? Est-ce que j'ai des choses à rajouter ? J'en avais une en plus, c'est juste avant que tu poses la question, mais j'ai oublié. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'évidemment, on continue à travailler sur Seven Wonders et sur Armada. Donc la prochaine extension, on ne sait pas encore quand elle sort, j'en suis bien désolé, mais encore... Pas énormément de travail, mais suffisamment de travail que pour qu'on puisse pas la montrer encore sur les salons. Là, on avance très bien sur la première extension de Seven Wonders Duel. Panthéon. Exactement, c'est son nom de code maintenant, donc on verra si ça restera ça. C'est pas une extension pour jouer à 4, pour les gens qui ont été sur Internet. C'est pas ça, non, ça c'est pas probable. Ça sera peut-être à jour, mais c'est pas propre. C'est pour le 1er avril, ça. Voilà, c'est pour le 1er avril. Mais pourquoi pas, on est prêt à tout. Si on y croit, ça marche. Et sinon, on a un gros projet secret, mais ça, on a deux gros projets secrets, mais je pense qu'il faut encore attendre quelques temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va monter une nouvelle boîte qui va faire quelque chose de complètement différent dans le monde du jeu, mais qui va le faire avec notre savoir-faire. Et ça sera sur Bruxelles uniquement dans un premier temps. Donc voilà, si on en reparle dans quelques mois. Quand c'est plus secret, tu nous dis, nous ça nous intéresse. Il sera une question de temps et il faudra être prison et ce genre de choses. Donc les gens peuvent s'en sortir, mais je n'ai rien dit. Ça marche. Eh bien, écoute, Thomas, merci beaucoup, puisque tu as donné le mot de la fin, a priori, et qu'il va falloir qu'on file à la cérémonie des As d'Or pour peut-être voir Seven Wonders Duel remporter le prix expert, peut-être, je ne sais pas. J'espère, ça fera son 7e prix, donc ça serait cool, mais on verra bien. Allez, salut, à bientôt sur Ludovox. Merci.